Mathis, bah, déjà dites-nous comment ça va, comment est la forme? Ça va, pas trop mal. J'ai une préparation un peu différente cette année en décalant un peu ma reprise pour être en forme un peu plus tard dans la saison. Donc je suis pas encore à 100%, mais la forme est déjà pas mal. Ouais. Vous avez passé un palier l'an passé. Du coup, quoi vous attendez cette année dès le début de saison avec les classiques? Bah, c'est des courses que j'apprécie vraiment. Donc, j'espère y performer et être régulier tout au long de la saison des classiques. Aujourd'hui, c'est le premier test de ma saison, donc j'ai beaucoup d'attentes envers moi-même et j'ai hâte de voir si le travail de cet hiver va payer dès aujourd'hui. Et du coup, dans l'équipe, on vous prend en considération comme un leader déjà? Je suis pas le leader unique, mais je vais être un coureur protégé, oui, forcément. C'est qu'il y a Jente Biermans qui est en forme aussi en ce début de saison. Comment vous allez jouer vos cartes au long de la course? Bah, on va voir un peu comment la course se déroule et qui sera là dans le final. Mais on a une bonne équipe avec Jente. On a Dan McLay aussi, si ça arrive, un plus gros groupe au sprint. Clément Russo qui va bien aussi. Donc on a vraiment une bonne équipe pour jouer sur tous les tableaux un peu. Pourquoi pas suivre un peu de coups et pas attendre le final pour jouer. Ouais. Et justement, dernière chose, quel type de course on s'attend? On sait, on parle beaucoup du vent. Du vent qui sera plutôt défavorable à la fin de course, ça va être une course un peu d'attente, ou alors c'est une course où il y a quand même moyen, avec la difficulté du parcours, de lancer les opérations un peu plus tôt? Bah, on sait que sur la première classique comme ça, les niveaux sont assez disparates, donc peut-être que ça fera la course un peu plus tôt, car tout le monde n'est pas forcément prêt pareil, donc on verra un peu comment ça va courir, mais moi je m'attends pas vraiment à une course d'attente ici, il y a toujours une course de mouvement, et je m'attends à une course assez dure, même si la météo est relativement clémente, même s'il ne fait pas super chaud. Mais déjà, il ne pleut pas, c'est déjà pas trop mal. Merci Mathis. Merci. Bonne chance, bonne course. Et pas de neige.